jacob se mit en route et des anges de dieu vinrent à sa rencontre. alors vu jacob déclara c'est le champ de dieu. et il appela ce lieu mahanaïm c'est-à-dire les champs, les deux camps. Jacob envoya des messagers devant lui vers son frère Esaü au pays de Seir dans la campagne des Doms. Il leur donna cet ordre vous parlerez ainsi à mon seigneur et à Esaü. ainsi parle ton serviteur jacob j'ai séjourné chez laban comme un émigré et j'y suis resté jusqu'à présent je possède des bœufs et des ânes du petit bétail des serviteurs et des servantes. J'en ai fait informer mon Seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob et dirent « Nous avons trouvé ton frère Esaü, lui aussi marche à ta rencontre et avec lui quatre cents hommes. »« Faraja'a Rusulu ila Ya'quba qa'ilina, qad dhahabna ila akhika Isu, fa'iza huwa qadimun lilika'ika wa ma'ahu arba'u mi'ati rajoulim. » Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail ainsi que les chameaux. Il se disait, si Esaü attaque un camp, et le saccage, l'autre camp pourra en, échapper, en réchapper. Jacob dit alors, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Seigneur, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta parenté, et je, ferai, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité que tu as prodiguée à ton serviteur, car je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé ce Jourdain et maintenant je suis à la tête de deux camps. أنا دون أن أستحق كل ما صنعت إلى عبدك من المراحى والوفاء لأني بعصايا عبرت هذا الأردن والآن قد أصبحت فريقين Délivre-moi donc de la main de mon frère, de la main car j'ai peur de lui. J'ai peur Fa'anqidni min yadi achi min yadi iso, fa'ini achafu minhu an yatia feyadribani ana wal ma'albani. Ana wal umma ma'albani. Or toi, tu m'as dit, je te comblerai de bienfaits, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qu'on ne peut dénombrer. Il وأنت قد قلت: إني أحسن إليك إحسانا وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يحصى لكثرته. جاكوب passa la nuit à cet endroit, puis sur ce وبات هناك تلك الليلة، واخذ مما صار في يده هديه لعيسى اخيه 200 شيف 20 بوق 200 غنم و20 كبش 200 عنزه 20 تيس و200 نعجه و20 30 شمل لاثيئر Avec leurs petits, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et dix Il confia les bêtes aux mains de ses serviteurs, troupeau par troupeau, et leur dit :« Passez devant moi. »

à qui appartient ce troupeau Qui est là devant toi Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon Seigneur Esaü, à Esaü, et le voici lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, puis au troisième, bref, à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. Il disait C'est en ces termes que vous parlerez à Isaïe quand vous le trouverez. Vous direz, voici que ton serviteur Jacob arrive derrière nous. En effet, Jacob disait :« Je laisse, je l'apaiserai avec le présent qui m'aura précédé. Ensuite, je pourrai paraître devant sa face. Peut-être me fera-t-il bon accueil. » وذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا لأنه قال أستعطفه أولا بالهدية المتقدمة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه لعله يكرم وجهي أَنْسِيَ لو فتقدمته الهدية وبات هو تلك الليلة في المخيم Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants et passa le guet du Yabok. Du il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul, or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. ورأى انه لا يقدر عليه فلمس حق وركه وانخلع حق ورك يعقوب في في مصارعته له لوم دي لاشموار كار لورور سي ليفي جاكوب ريبوندي جونوت لاشري كوسي تيم بني وقال اصرفني لانه قد طلع الفجر L'homme demanda, quel est ton nom Il répondit Jacob. Il reprit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. C'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda, fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Mais il répondit. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Penuel, c'est-à-dire face de Dieu, car disait-il J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve.

Ne mange pas le muscle qui est au creux de la hanche, car c là que Jacob avait été touché. ولذلك, لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي في حق الورك إلى هذا اليوم، لأنه لمس حق ورك يعقوب على عرق النسا.